partie, ça tourne. Ah ben alors, bonjour Ivan. Bonjour. Vous sortez de l'entraînement, grand soleil, temps presque printanier sur, sur Chanzy, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien de retrouver un petit peu le soleil. Ouais, parce que jeudi dernier, vous avez encore eu droit à la pluie pour la réception de Perpignan, c'est une fatalité. Ouais, je crois que ça fait 4 ou 5 matchs donc, qu'on enchaîne sous la pluie, donc ouais. C'est cool de s'entraîner sous le soleil. Ouais, et jouer sous la pluie pour un ailier, c'est toujours la même frustration. Ouais, c'est plus compliqué, c'est pas une frustration, mais c'est plus compliqué. Ce match contre Perpignan, avec une semaine de recul maintenant, il reste quoi? La sensation d'être tombé sur une équipe plus maîtresse de son sujet? Plus maîtresse. Finalement, on n'échoue qu'à 3 points. Ouais. On va pas se cacher derrière ça, mais je pense qu'il y a un essai qui n'était pas valide chez eux non plus. Il y a des bonnes choses aussi, parce qu'on a quand même été chercher un point de bonus à la fin. Vraiment avec le courage et plus maîtresse, je sais pas, mais peut-être plus préparée que nous, plus dense dans le domaine physique. Après, on n'a jamais trop été dépassé. Je sais pas trop comment le... Ça reste quand même de la frustration parce qu'au final, on n'aura pas gagné les trois gros du championnat à la maison. Donc ouais. Voilà. Les gros, vous en retrouvez un les dimanches puisque vous allez à Grenoble. T'es co-leader actuellement. C'est une équipe qui a fait, elle, forte impression à Chanzy au match aller. Pour toi, c'est l'équipe qui a le jeu collectif le plus nourri, le plus fourni. C'est une grosse équipe. C'est une grosse équipe de Pro D2. Elle nous avait fait très mal ici à la maison. Devant, c'est assez solide. Derrière, ça va vite. Ça va vite. Ils maîtrisent leur rugby. Ils maîtrisent ce qu'ils font. Et voilà, ça va être compliqué. Comment on fait pour rompre avec la fatalité quand on a perdu contre tous les gros et qu'on se déplace probablement sur le terrain de la meilleure équipe de Pro D2? Comment on se dit on va changer les choses? Aujourd'hui, je pense qu'on n'a rien à perdre. Je pense que tout le monde nous voyait déjà outsider chez nous, contre Perpignan. Je vois pas ce qu'on a à perdre à aller jouer à Grenoble et à lâcher les chevaux, à s'envoyer à 200% pour essayer de ramener des points. Voilà, aujourd'hui, il n'y a aucun pronostic qu'il y avait nous, qu'on ramène que ce soit un point ou deux ou quatre là-bas. Donc voilà, il y a les sans complexes et motivés et le couteau entre les dents, parce que ça serait bien de ramener des points de là-bas aussi. Je pense qu'il n'y a pas... D'autres l'ont fait. Hein. D'autres l'ont fait, mais pas tout le monde ne va le faire aussi. Oui. Pas tout le monde va le faire, donc voilà, ça serait bien de ramener un maximum de points de là-bas. Vous êtes chez une équipe qui s'est rendue très joueuse à la maison, qui l'a prouvé. On a mis du beau temps pour une fois, un match en dur le dimanche après-midi, c'est aussi l'occasion de s'exprimer. Ouais, je pense que voilà, c'est une équipe qui joue beaucoup, ils ont du beau temps comme vous l'avez dit, la pelouse c'est une hybride, ouais. Donc c'est une belle pelouse aussi, il y a toutes les conditions qui font que voilà, il peut y avoir un joli match de rugby. Ouais, et produire du jeu, ce que vous n'avez pas vraiment eu l'occasion de faire. Exactement. Ouais. Ce qui concerne l'essai que tu marques, l'essai de l'ADN, de ton ADN, c'est-à-dire venir chercher du travail sur l'aile opposée. On te voit souvent lever les bras pour signifier que tu es disponible, mais là, tu es venu chercher, tu es venu rentrer dedans, c'est des choses que tu aimes bien, que tu apprécies particulièrement. C'est des choses que j'aime bien faire, oui, de me déplacer. Après, voilà, c'est plus compliqué par des temps pluvieux, parce qu'il y a beaucoup de turnover, donc on peut pas se balader partout. Là où on veut, mais ouais, c'est le jeu que j'aime bien, le jeu de déplacement, le jeu de vitesse et d'évitement. T'es arrivé en début de saison avec pas mal de doutes derrière toi. T'as re-signé très vite, hein, tu t'imposes comme un des joueurs cadres à l'aile de ce club angoumoisin. À titre personnel, l'épanouissement il est complet. Ouais, je suis très heureux. Je suis très heureux et... voilà, je pense que j'ai encore beaucoup à prouver pour pouvoir jouer tous les matchs, les gros matchs. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de les jouer, à part le déplacement à Perpignan. Donc aujourd'hui, oui, je suis content de jouer et de jouer mon rugby et de marquer, parce que je suis content de mes performances un petit peu. Concernant le collectif, quand on regarde le classement, vous sortez des 6 après cette défaite. Vous avez ce bloc là qui est quand même compliqué avec ce déplacement à suivre à Grenoble. Par contre, vous avez sur le calendrier retour un calendrier très intéressant avec la réception
de beaucoup d'adversaires directs pour la qualif. C'est quelque chose que vous avez en tête? Peut-être que le staff l'a en tête. Moi, honnêtement, je ne rate pas le calendrier. Enfin, c'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais je prends les semaines après les semaines et je ne me dis pas que voilà, y a Montauban la semaine prochaine. Pour moi, il y a le match de Grenoble ce week-end et on verra la semaine prochaine pour la suite du calendrier. On verra. Je marche comme ça, donc je regarde pas forcément le calendrier et les résultats des autres équipes. Parce que d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Et voilà. Ton ancienne équipe est en train de créer un petit peu la surprise dans ce championnat de Pro D2 en s'installant dans le haut du tableau. Hein, il y a trois touchages derrière. C'est surprenant pour toi, tu avais. Parce que Colomiers, c'est une année avec, une année sans. Un petit peu quand même. Hein. On a eu une année compliquée l'année dernière parce que il y a eu beaucoup de bouleversements au sein du groupe, du staff, avec des départs de notre ancien manager Olivier Baragnon. Donc il y a eu beaucoup de bouleversements avec voilà. Donc ça a été compliqué, mais l'actuel manager est, Julien Sarotte, c'est quelqu'un de qui sait ce qu'il a. Qui sait les joueurs qu'il a, qui sait ce qu'il veut mettre en place, et c'est un excellent manager et un excellent coach, donc ça ne m'étonne pas en fait qu'il joue pas le maintien cette année. Quoi. Alors oui, il crée la surprise en étant quatrième avec des grosses performances un peu partout, mais ça ne me choque pas. Quand je vois l'effectif et les entraîneurs qu'il y a. Comme quoi, ça ne tient pas forcément à grand-chose tout le temps, parce que l'effectif, il n'a pas été énormément modifié non plus à Colomiers. Cette saison, il a saison passée. Non. Mais on le retrouve un petit peu ici aussi. Hein. Ouais. Entre, je pensais que ça allait être un peu une année un petit peu compliquée, avec un changement de staff ici à Soyaux. Et au final, le groupe s'est bien adapté. Après, il n'y a pas eu beaucoup de rotation non plus dans les joueurs ici. Mais voilà, on sait que c'est toujours particulier, un changement de staff. Et... aujourd'hui, nous, par exemple, on s'y retrouve bien. Tu as le sentiment justement que ce SA15 continue de grandir semaine après semaine? Grandir, je sais pas. Après, je sais que voilà, moi, je sais que par exemple, ça fait que 7 mois que je suis là. Donc, je sais que moi, je prends un peu plus mes marques à chaque fois au sein du SA15. Après, j'espère que c'est pareil pour tous les nouveaux. Donc, je pense que c'est un groupe qui se construit. Ok. Tu disais que tu ne regardais pas les matchs, dernière chose, Ivan, tu sais quand même que vous allez à Biarritz dans 2 semaines. Ouais. Ouais. Celui-là, je ne sais pas. Tu sais, celui-là. Ouais. Celui-là, je le sais. Ok. Bon, merci. Merci. Merci de ta gentillesse.